J'apporte quelque chose de nouveau et j'interviens dans l'agroécologie, surtout pour aider les femmes. Avec les pertes post-récolte, surtout issues de la mangue au Sénégal, qui sont énormes. Nous évoluons dans deux secteurs, agroalimentaire avec tout ce qui est transformation des produits agroalimentaires, les fruits et légumes et céréales. Et volet cosmétique, nous sommes dans tout ce qui est huile végétale et beurre de mangue également. Je suis allée à l'École polytechnique après mon baccalauréat de Dakar et où j'ai eu mon DST en agroalimentaire. J'ai intégré le Nestlé Sénégal et Baobab des Saveurs. J'ai intégré le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes où j'ai eu ma licence en gestion des entreprises agricoles. Je suis allée au Maroc pour faire la formation en cosmétique. À mon retour, il y a ma maman qui me dit « Moi, je crois en toi ». J'ai mis en place Dakan Agrocosmo avec les membres de ma famille. J'ai fait quelques recherches sur le beurre de mangue. Je me suis dit « Avec les amandes au Sénégal, il y en a beaucoup qu'on jette. On peut essayer de les récupérer et en faire du beurre. » Optique zéro déchet en tout cas.